Vous regardez TVCSM, la web TV officielle du club sportif Moulien. En direct, le match du CSM. TVCSM. Match replay. Salut, c'est Richard Albert. Vous êtes dans le direct intégral. Tous derrière le CSM. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Sur TVCSM, les Grands Moulins des Antilles présentent le direct intégral du match du club sportif Moulien. Le CSM apporte de l'eau au moulin des GMA. Au niveau du CSM, nous aurons Kevin Abba en 16, Jérémy Valmy en 5, Kenji Montandin en 4, Kevin Lumont 23, Lui Pierrin en 12, Ludovic Gautin en 9, Mendy Gomez en 10, Vikash Tillé en 14, 24, Steve Faubert, 20, Dynamique sur Willis Francillon, Christophe Denis, Yannis Savarel, Wilfried Fenn et Rubiol Occidental avec Ronald Venex en guerre, Monsieur Richard Albert sous vos applaudissements. Voilà, des petits problèmes de son pour essayer de régler quand même, parce qu'on ne comprend pas trop que vous n'entendiez pas vraiment ces commentaires. Voilà. Bon, ça pourrait être. Oui. Donc, je vous disais que la composition, les compositions des deux formations vous ont déjà été données il y a quelques instants. Vous avez entendu des animations ici, c'est pas trop mal. Et même des ramassures de vagues, c'est quand même assez sympa. Parce que c'est vrai qu'on prend bien souvent de ne pas avoir de ramassures de vagues sur les rencontres de l'ERA. Là, ça sera le cas. Même pendant les vacances, quoi. Il y a beaucoup de jeunes, justement, du Chiroco qui sont. Ok. À
sais pas, mais j'ai toujours répété à chaque rencontre. On doit faire des c'est peut-être moi qui vous Effectivement, bah, désolé, mais il y a des problèmes de son ce soir, donc on va, je ne sais pas comment on va essayer de vous faire vivre tout ça. Bon, on va essayer de parler fort, mais bon, un petit problème de micro. L'essentiel, c'est de, bien sûr de tenter, mais là, c'était vraiment largement à côté des buts. Gardé, comme d'habitude, par notre ami Kevin Ajax. Et qui a donc été, bien sûr, chercher son ballon derrière les buts. C'est vrai qu'en fonction des matchs joués, des matchs en retard de certaines formations, on a vu la solidarité scolaire premier, le CSM 5e pour l'instant, CSM 3 matchs en retard, la solidarité scolaire 2 matchs, bah, ça fausse bien sûr tout la véracité du classement. Et donc on a compris. Que bah, les deux formations qui, a priori, vu leur match en retard et vu leur potentialité, qui ont le plus de chances de terminer aux deux premières places, ce sont quand même le CSM et la solidarité scolaire. Ça devrait être un bras de fer entre les deux, avec un premier corner pour le CSM. Attention, et le premier but, l'ouverture du score pour le CSM. But de la mine du CSM. Est-ce que la mine va réclamer la barre? En tout cas, il a beaucoup d'humour ce speaker. On va checker. Le CSM. Lurik R1 qui
qui ouvre donc le score pour le CSM. Très rapidement, alors pourtant ce speaker a tout fait pour montrer qu'on était aux amis, mais qu'il fallait pas se les compter la victoire. Ben voilà. C'est donc les Mouliens qui prennent les devants. Sur ce centre parfait. Ils étaient deux à pouvoir le reprendre complètement esselé dans la surface de réparation abimienne. Et c'est donc Ulrich Hérin. Hérin qui reprend facilement du plat du pied. Un peu pratiquement dans la lucarne. Aucune possibilité pour le gardien de cette formation, Gaston Lenclume, de pouvoir faire quelque chose. Oui, belle balle en profondeur, regardez ça. Ah ouais, non, là. Ouais, bah pour le coup, on les entend, les supporters. Ouais, bah pour le coup, il a bien joué le coup. Il est bien sorti. Ah, encore une fois. Ouais, non, là, c'est le centre. Le centre est mal donné, malheureusement. Mixture qui était montée, bien décalée d'ailleurs, mais qui ne parvient pas à ajuster son centre. En tout cas, je peux vous dire qu'il aura du boulot, le gardien à lumière. Là, il est au sol. C'est bien connu, ce sont les supporters qui sont sur le terrain. Non, mais c'est bien connu. Hein. Ça fait rire Franck.
César qui va venir nous dire un petit mot tout à l'heure. En tout cas, avec cette animation, ouais, c'est du haut niveau. Effectivement, comme il l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment du haut niveau. Je ne suis pas sûr que ça soit vraiment l'excellence requise, comme le veut le slogan du club. Et puis, je pense aussi qu'il ne faudrait pas trop s'enflammer par rapport à une position de quatrième au classement, mais avec autant de matchs d'avance par rapport aux autres. Attention avec ce ballon pour Ludovic Gotin qui rate complètement. Ah, il rate complètement sa reprise alors qu'il était encore une fois servi tout seul. Il y a vraiment dans cette défense abimienne un peu de... On est très lâche. Et voilà, on a eu la première coupure de la soirée, donc on espère que ça va continuer quand même. Voilà. J'ai un problème de son, c'est ça. Ça ne marche pas les micros. Alors je sais, hormis les problèmes internet, on a des problèmes de son, alors voilà, on est obligé de se rapprocher du les problèmes de micro. Il y aura des problèmes d'internet certainement, visiblement, parce qu'on a déjà eu un. C'est pas facile. En tout cas, on vous remercie d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Bah, mettez à fond, je suis désolé, je ne pourrais pas parler plus fort. Quelle ambiance, ça s'anime avec ce coup franc. Oh là 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 là, égalisation. Ah bah oui, il fallait s'en méfier, égalisation pour le Sirocco. Sur ce coup franc plombé qui replonge dans la cage moulienne. Kevin Ajax qui ne peut que la toucher pour la dévier quelque peu. Et on a bien suivi. Plat du pied. Un partout. Comme quoi, effectivement, ils avaient raison de concevoir que c'était une occasion franche qui leur était proposée avec ce coup franc excentré. Superbement bien tiré. Il n'a plus que toucher ce ballon alors qu'il allait directement dans la lucarne. Kevin Ajax, et donc, les Abimiens reviennent un peu contre toute attente. Thank you.
sais pas si, voilà, excusez-nous hein, encore pour les diffusions au niveau du son. Bien vu, non, il n'y avait pas hors jeu, mais moi par la suite, eh ben, ça n'a rien donné pour le CSM. Nous sommes rejoints par notre ami Joël Loyon. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez fait 8000 km là, ah ben, 8000 sans, sans nous prévenir. 8000 km pour voir les bleus. Les bleus et blancs, toujours bleu et blanc. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce coup franc? Il était quand même bien tiré. Oui, très bien tiré, mais bon, je pense que le gardien a mal jugé la trajectoire du ballon, donc c'est pour ça qu'il a, il a été surpris de cette trajectoire et qu'il n'a qu'il a pas perdu de bien boxer le ballon pour le faire sortir. Mais bon, ça donne du piment au jeu. Mais je suis quand même surpris des... Attention, Gauthier va nous mettre le... penalty. Penalty. Bien là, évidemment, pas photo, penalty. Oui, pris par derrière, alors on rouspète dans les gradins des abîmes. Mais... Ah non, mais y a, même la VAR ne va pas annuler ce penalty. L'arbitre a signé penalty. Est-ce qu'on va checker? Est-ce qu'on va voir la VAR? Alors il y a deux camps.
le camp qui sont, de ceux qui sont contents et de ceux qui ne sont pas contents. Comme d'habitude, hein, le football est fait comme ça. Il y en a qui aiment rouspéter après l'arbitre, mais l'arbitre a pris une bonne décision, une sage décision, et qu'il y a pénalty. Ah non, mais alors lui, il me fait rire depuis le début. Alors déjà, il faudrait lui expliquer qu'il n'y a pas de commentaire à faire pendant le match. Pendant le match, hein. Ça serait mieux qu'il coupe son micro pendant le match. Quoi. Qu'il annonce juste les buteurs, ça serait bien. Tu sais très bien, Richard, qu'il y a des gens qui ont. Non, mais sérieux. Qui aiment parler et qui ont appris parler. Non, mais c'est affolant, parce qu'ici, c'est choqué de quatre choqués à chaque fois. Et ça, c'est une règle de base, on ne parle pas pendant le match. Quoi. Mais tu sais, on ne commande pas le match. Quoi. Tu sais, sinon, il vient à notre micro et il commente avec nous. Tu sais très bien que nous avons une évolution qui sont très. Allez, allez, c'est le pénalty. C'est qui est-ce qui tire? Thier. Thier, bien sûr. Et but, contre pied parfait. Le CSM reprend l'avantage. Le pénalty. Mais il faudrait bien qu'il annonce celui qui a marqué le but. Hein. Voilà, et ben nous on va l'annoncer, on l'a dit déjà. C'est Vikash Thier qui a donc ouvert son pied et pour le mettre à l'opposé du gardien. 2-1 donc pour le CSM. Je crois qu'on verra beaucoup de buts ce soir. Bah, de toute façon, c'était effectivement prévu et puis ça commence bien. Oui, au bout d'une demi-heure, et on a 3 buts au bout d'une demi-heure, et ben c'est bon. Hein. On va faire peut-être un score de rugby ou bien de tennis. Bon, allez, on va pas s'emballer quand même tout de suite. En tout cas, ce qu'on est sûr, c'est que là, pour l'instant, on va être tranquille avec l'animateur. Ça va se calmer un petit peu parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit. Comme on a un problème de micro, on est obligé de parler devant nos caméras. Voilà. On s'en excuse, hein, vous nous entendez peut-être de loin, surtout quand il y a de l'ambiance derrière. Mais là, je pense que ça va se calmer un certain temps. Donc Richard, avec ce score du CSM là, qui, à l'heure actuelle, avec 4 points, revient à un point de la SS. Là, c'est exactement ça. Et d'autant qu'il restera au CSM 2 matchs en retard. Et il y en a 2 également en retard pour la solidarité scolaire, donc on peut penser que ce sont vraiment les 2 prétendants aux 2 premières places quoi, de ce groupe. Oui, course. Vu que en constatant que l'AS Gosier est un peu décroché, donc je pense que si. Oh, la vilaine faute encore là sur un joueur du CSM, une très vilaine faute, un pied très haut. Donc, nous avons. Attendez, il y a un décalage. Ah ouais. Non, mais il y a un décalage entre la. Non. Il y a un décalage de 3 minutes, donc on. Donc je disais que l'AS Gosier est un peu décroché, mais bon, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Hein, vous connaissez l'histoire. Vous connaissez l'histoire de l'AS Gosier. Il leur manque tout simplement 8 joueurs. Il y a quand même 6 qui ont dû partir pour aller faire des visas parce qu'ils voulaient absolument jouer ils veulent absolument jouer avec tous leurs joueurs, ce qui est normal. Bah, sauf que dans les 8, il y a quand même 5 Haïtiens. Et d'après les infos, ça fait 2 mois qu'ils sont partis. Hein. Je peux vous dire que ça va être très difficile pour eux d'avoir des visas. Je sais pas si on a vraiment bien réfléchi avant ou si on s'est vraiment prémunis, mais. Des joueurs qui malheureusement on n'avait pas fait ce qu'il fallait avant pour les doter de papier en Guadeloupe. Je constate que l'ambiance du côté du Sirocco est très féminine. Donc je vous disais qu'effectivement le problème de l'AS Gosier c'est ça, c'est que. Bah, notamment Ricardo Philibert quand même. Ah. Je crois qu'il est en jeu. Il est signalé hors jeu. Donc je disais que pour l'AS Gosier, notamment Ricardo Philibert et puis tous les autres Haïtiens, ils sont 5. Je veux dire, ça fait 2 mois qu'ils attendent d'avoir des visas. Ils ont passé plusieurs années, malheureusement, sans papier valide en Guadeloupe. Donc je pense qu'on aurait pu réfléchir un petit peu et se dire que ça va être difficile, surtout qu'ils escomptent avoir un visa touristique pour aller jouer la Ligue des Champions de la Caraïbe à Porto Rico. Les Américains, ils rigolent pas avec ça. Et après, ils escomptent avoir un visa pour revenir en Guadeloupe. Alors, Ben, tu sais, Richard, que quand tu retournes pour avoir un visa, il faut passer un nombre de temps dans ton pays pour repartir. Ben justement, c'est pour ça que je vous dis qu'ils ne sont pas prêts de revenir.
sage solution. La solution la plus sage aurait été, à mon avis, hein, pour l'AS Gosier, bah, de se rendre compte que ce serait très difficile pour eux d'avoir des papiers officiels après leur situation passée. Et donc de dire, bah, à ce moment-là, on n'y va pas et puis on laisse la jeunesse évolution y aller. Enfin, je sais pas. Mais bon. Bah oui, parce que bah non, mais il y a un moment, il faut quand même être conscient des problèmes diplomatiques que ça peut engendrer. Et plutôt que de les perdre définitivement, bah, ils auraient dû rester ici et puis voilà. Et puis ils auraient malheureusement. La question non, que je me pose, pourquoi il faut réfléchir avant. Que la AS Gosier qui se trouve vraiment dans ce gros problème. Et bah parce qu'ils ont une majorité de joueurs étrangers. Donc on se retrouve dans une situation, ils se retrouvent dans une situation que là maintenant ils n'ont plus la possibilité d'être au niveau où ils étaient avant. Ah ben c'est fini là. Dans les circonstances actuelles. Surtout le match qu'ils viennent de perdre là contre l'USBM. Ben c'est une illustration. Voilà. Donc, non mais moi je le dis depuis des années, j'ai toujours dit on est amateur. N'allez pas chercher des étrangers, ça sert à quoi? Formez vos jeunes Guadeloupéens. Voilà, c'est la formation, formation qui prime et je constate que j'avais déjà dit ça pour le cyclisme. Bah, bien sûr, bah, voilà, c'est la même chose. Pour le cyclisme, on n'est pas capable de former nos jeunes, on va chercher des gens à l'extérieur, pourquoi? Pour gagner quoi? Vous connaissez le slogan là par cœur. Nous pas blaguer, mais nous formons. Alors, comprenons qu'on est amateur, et puis déjà qu'on essaye de rattraper les Guyanais, les Martiniquais surtout, par rapport au niveau. Bah donc voilà, avec ce qu'on a, avec les jeunes, on les forme, on fait des écoles de football, sur toutes les tranches d'âge, voilà, enfin bon, je sais pas. De toute façon, moi je suis fatigué de dire toujours la même chose, ça fait des années. Hein. Après on va me dire, ouais, Garnier, je dis la vérité, bah, c'est vrai que ça fait mal. Hein. Bon, enfin, revenons au match. Je constate que le Sirocco a beaucoup de mal à passer la ligne médiane. Hein. Ils ont beaucoup de mal à construire un jeu propre et bien, parce qu'ils ont un nombre incalculable de pertes de balles qui ne permet pas d'avancer comme ils devaient aller avant. Mais vous savez quoi là, bah ici c'est trop facile. Vous voyez l'état de la pelouse. Là je ne voulais pas en parler. Je ne veux pas en parler. C'est pareil, ça fait des années qu'on parle des pelouses, on en a marre. Je ne veux pas en parler parce que quand on est dans un pays qui a à peu près 250 jours de pluie, arrêtez. Et quand on voit des pelouses aussi pelées comme ça, je dis que c'est lamentable. Là, bon, ils vont vous dire, ouais, mais c'est normal, on est en carême, c'est sec. Non, mais vous arrosez les pelouses, et puis c'est tout, quoi. Arrêtez maintenant. Pourquoi ne pas faire des réservoirs d'eau pour pouvoir? Mais il y a un grand problème c'est, aussi. Alors, moi j'ai dit, c'est ne pas blaguer de Montfort. Et c'est choquer nous qu'à choquer, vous voyez. En fait, on peut toujours trouver des dictons assez adéquats à la situation. Ah, tu sais, on a toujours une solution à quelque chose, mais c'est pas la vraie vérité. C'est jamais la bonne solution. Oh oui, ça doit finir au fond, une action aussi belle. Il n'a pas pu l'amener. Ah oui, mais il devait amener extérieur au lieu de l'amener le ballon à l'intérieur. C'est ça. Moi, il y a deux choses qui me font, pour ces pelouses-là, il y a deux choses qui me font, c'est de voir qu'on ne forme pas. On ne forme pas des vrais jardiniers pour pouvoir entretenir un terrain et on ne leur donne pas les moyens pour que le terrain soit quand même adéquat. C'est lamentable de voir, et on veut aller en CONCACAF, moi quand je dis on veut aller en CONCACAF, on n'a pas un terrain pour recevoir une équipe étrangère, c'est dégoûtant, c'est lamentable. C'est la première chose qu'on aurait dit, l'outil de travail doit être la meilleure, et demander aux municipalités qui sont propriétaires des terrains de donner, de mettre... De faire un minimum pour l'entretien. Mais oui, et de former des gens, parce que quand on voit les gens qui sont... Ils savent c'est vrai qu'ils jouent sur des pelouses, c'est ça c'est, non, ça, non, ça ne s'appelle non, pas non, une pelouse. Non. C'est pas une pelouse. Quand on voit déjà l'état de la piste aussi, c'est la seule piste internationale soi-disant qu'on a, on se pose des questions. Ils l'ont refait à Bémao, non? Ah. Thank you.
est-ce que cette équipe de Sirocco va peut-être inquiéter le CSM? Je crois pas. Je crois que si le CSM perd ce match, c'est lui qui, c'est eux qui ont fait pour perdre ce match. Là, il y a hors-jeu flagrant. Et voilà ce que je disais. Une paire de balles dans les 18 mètres. C'est pareil, je vais me faire critiquer, je le sais. J'ai annoncé qu'il y avait hors-jeu. Pour moi, il y a hors-jeu, on va le revoir après. Pour moi, il y avait hors-jeu au départ. C'est limite quand même, mais bon, celui qui était vraiment en position d'enjeu a laissé passer le ballon de vient derrière. C'est lui bon, que j'ai vu. Ouais. Voilà. Donc c'est ce que je disais, que si le CSM perd ce match, c'est eux qui ont perdu. Parce qu'un alignement comme ils ont fait, c'est même pas digne des Poussins. C'est même pas digne des Poussins d'être aligné comme ça, un ballon qui sort des 18 mètres du Sirocco et qui arrive tout de suite dans les 30-40 mètres du CSM et qui amène un but. Ben bon, quand même, on aura du spectacle. Et voilà, on l'a dit en même temps et c'est ça qui compte. Ben, c'est ce qu'on demande en fait. Donc on s'en plaindra certainement pas. 4 buts pour l'instant. Et nous ne sommes même pas à la mi-temps. Donc, pour vous. N'empêche, Richard, que le spectacle aussi est vachement dans les tribunes et que pour l'instant, c'est le Sirocco qui mène, hein, parce que les supporters du CSM, ils sont plus en train de regarder le match que d'encourager leur équipe. Oui, ça c'est clair, mais vous l'entendez d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des problèmes de son, comme on n'a pas de micro. Bah, en fait, nos paroles sont couvertes, hein, on s'en excuse. Qui vient d'avoir le nom du buteur. Il n'a pas de prompteur, donc il ne connaît pas le numéro des joueurs. Excellent. Thank you.
vois, le problème du CSM, Richard, c'est que quand ils jouent des équipes comme ça, ils se mettent au niveau de ces équipes-là au lieu de hausser le rythme et leur niveau de jeu. Et c'est pour ça qu'ils se sont piégés à chaque fois de ne pas continuer à mettre du rythme dans ce match pour que l'équipe adverse ne puisse pas revenir, ne puisse pas avoir le ballon. Et c'est vraiment le défaut du CSM à chaque fois qu'ils rencontrent des petites équipes. Qu'ils n'arrivent pas à hausser le ton, hausser le rythme du jeu pour pouvoir mettre plus de buts. Oui, pourtant c'était bien parti au niveau d'un ballon qui circulait bien au départ. Et à partir du moment où on laisse effectivement cette formation un peu s'enflammer, voilà, c'est ce qui arrive. Allez, en tout cas 2-2, 4 buts en une demi-heure, c'est pas mal. Allez, corner pour le CSM. Oh et but là. Oh non. On ne peut pas rater une occasion aussi belle. Willis Francione qui rate ça. Avec les jeux de la Caraïbe, ils vont faire ça à Bémao alors. Bah, c'est un peu compliqué la réalisation de ça. Donc, bon. Parce que vu l'état du stade, je pense pas qu'ils vont amener des étrangers sous ce stade. Si on considère que la pelouse de Bémao est meilleure, c'est pas sûr. Ça fait mouche. Maintenant. Mixture, ouais, bien. Dommage qu'il a fait dans le dos. La passe en retrait, vraiment en retrait, pas devant la défense. Oh là là. Il avait le temps quand même de centrer, hein. Il a voulu se précipiter et que voilà, il avait fait la différence avant. Ah oui, il a fait une course de 60 mètres presque. Thank you.
voilà une belle action, bien construite quand même du Sirocco. Hein. Ils ont cherché à vraiment à déséquilibrer la défense du CSM avec un jeu à une passe. À une passe. La chance, il a beaucoup de chance de prendre color jaune. Là, il a vraiment de la chance de prendre color jaune. Le capitaine Moulien, Jérémy Valmy, ouais. C'est un jaune très 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 orangé. Supporters aviniens qui reprennent le slogan du CSM. Non. Et le BH. Tu sais, Richard, quand quelque chose marche bien, on en copie. Ah oui, bah c'est ça, il vaut mieux copier. Alors, on est à la. Ça doit être la mi-temps. Ah, mais c'est quoi, hein. La mi-temps, le score, on se rabîme. Simplement, effectivement, ils ont profité du fait que le CSM n'a pas pu asseoir sa domination dans le jeu. Ils sont revenus, ils se sont un petit peu enflammés. Puis quand on s'enflamme, on réussit des choses. Et quand on est en réussite, voilà. Ben, surtout sur le coup franc. Le gardien, c'est pour lui. Parce que la trajectoire de la balle, il doit bien la lire et il doit sauter. Il n'a pas appui sur ses jambes pour pouvoir sauter. Donc il essaie de le sentir, mais bon... Elle est bien travaillée aussi. Elle voilà. Est quand même très bien travaillée alors là, on va être obligé de couper parce qu'il y a de la musique. Oui. Mais bon, ça, YouTube, mais bon, ça. Ben, on va mettre la note. On va essayer de mettre la note parce que là, ça va couper. Là. Télé CSM, la web TV officielle du club sportif Moulien. Le club de football le plus titré de la Guadeloupe. Te balance ou après si qu'on vignes ta après dominé ou bébé et mal à bas ou ça habile qu'on y met ou dis tout petit mais y'en y vista zéro défaite au contraire coaching paye d'un congo au jola numéro 6 yo well my number la fumée. Vive tous les matchs du CSM en direct intégral. C'est Richard Albert, vous êtes dans le direct intégral. Tous derrière le CSM. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Sur Télé CSM, les Grands Moulins des Antilles présentent le direct intégral du match du club sportif Moulien. Le CSM apporte de l'eau au moulin des GMA. Allez, c'est ça,
Autant nous peut dire derrière, nous pas faire effort pour ne pas prendre, autant nous pas dire nouveau, nous faire effort pour marquer. Tout le monde est concerné. Ok? Allez, c'est bon? On y va. Allez, papa. Et les gars, parce qu'on commence à vous préparer, je vous dis, je vous tout à l'heure, progressivement. Nous, les gars, nous, c'est ce qu'il faut. Nous, monsieur. Et tout le monde est resté qu'il joue, pas contre ses arbitres. On part, pour qu'il rentre, on va gagner ce match-là. On va le gagner, là. Ok? Monsieur Richard, ça va. Ça va aller. De retour ici sur Télé CSM et exclusivement bien sûr sur Télé CSM. Ah, elle passe vraiment pas loin. Cette frappe tentée par Ludovic Gautin qui montre que le CSM revient avec des intentions vraiment de contrecarrer ce qui a été fait en première période, parce que c'est vrai qu'on a assisté à la causerie il y a quelques secondes de Richard Albert dans les vestiaires, et je peux vous dire que il a harangué tout le monde en disant qu'il fallait ne pas reproduire les erreurs de la première période et prendre surtout le jeu à son compte. Eh bien, dites-moi, ça chauffe là à nouveau, sur les camps de Kevin Ajax.
cette fois il y avait une faute sur, sur le gardien Moulien, pardon. Ludovic Gautin qui pousse trop son ballon malheureusement et qui ne peut pas éviter la sortie du gardien. Thank you.
quel gratteur de ballon, ce Ludovic Gautin, quel attaquant extraordinaire. Ah, il ne faut pas faire ce qu'ils ont fait, lui laisser la possibilité de récupérer un ballon comme ça. Rapidement en tout cas. Faute de Ludovic Gautin pour s'embarquer ce ballon chez les impossibles. Thank you.
l'ambiance se calme un petit peu. C'est à que là que vous pouvez m'entendre, malheureusement. On a vraiment des problèmes de son ce soir. Veuillez nous en excuser. Alors qu'on a revu furtivement le troisième but,
permettant de prendre l'avantage au CSM par Ludovic Gautin. On a vu la fin, mais bon, on va essayer de vous le recaler mieux. Et là on peut parler parce qu'il n'y a pas trop d'ambiance, on peut parler, hein. Ouais, quel match gag, Richard. Il y a des arbitres qui sont pas à la hauteur aussi, parce que là il n'y avait pas faute du Castillet, parce qu'il joue le ballon avant le gardien. Ouais. Donc en plus il lui met un carton, c'est pas une faute intentionnelle, il joue son ballon, donc l'arbitre il a fait une grosse erreur là-dessus. C'est un petit peu un match pour foufou, quoi. C'est plus que fou le match. C'est joli. Pas du tout structuré. C'est joli. C'est un match structuré. Oui, mais le problème du CSM, il joue sous la vitesse de Gautin, mais c'est le milieu terrain est dépassé. Donc il manque une liaison entre la défense, le milieu terrain et l'attaque. Donc c'est pour ça qu'il supporte le match par un coup, parce que le Sirocco balance. Ils ont constaté que les défenseurs du CSM sont toujours au marquage et sont un peu lents aussi. Donc ils jouent sur la vitesse des attaquants. On va voir qu'est-ce que ça va donner avec la pratique maintenant. Rétro de Monsieur Gomez. Ah là, il aurait dû centrer, Vikash. Ah, c'est là, il prend. But. Oh là là, c'est là, jouer de la facilité, c'est trop facile. Bien joué des deux, ouais, mais bien joué des deux côtés. Oui, mais c'est trop facile. Ouais, mais t'as qu'un but d'avance. Il faut être plus sérieux dans la finition. Il faut mettre ton équipe à l'abri. Parce que là, ils gardent l'espoir, hein. Il n'y a qu'un but d'avance, ils gardent l'espoir et ils ont toujours l'espoir de pouvoir égaliser et partir avec les deux points quand même. C'est clair. Enfin, en tout cas, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de structure dans cette rencontre. Au niveau de l'ambiance, ça se calme, on parle un peu. Ben, si vous aimez le football, c'est pas un match à regarder, à mettre dans les annales et à mettre... pour dire que vous avez appris quelque chose de bien. Le défenseur, il ne voit pas le joueur dans son dos. Il est toujours périphérique sur le ballon, pas sur le périphérique, sur le jeu. Et c'est dommage parce que c'est comme ça qu'ils se font prendre avec de vitesse par les joueurs du Sirocco. C'est du Oua football qu'on dit ça. Dès qu'on a un ballon derrière, on envoie devant et on dit aux attaquants, débrouillez-vous, faites ce que vous pouvez, ce que vous voulez faire. C'est
dommage qu'il n'y a pas de construction dans le jeu. Son petit jeu, son petit gris-gris, alors qu'il pouvait prendre l'appui avec son milieu qui était derrière et pouvoir partir de l'autre côté. Il n'y a pas de renversement de jeu pour dire tiens, je vais renverser le jeu pour les autres joueurs qui sont de l'autre côté. Eh oui, voilà. Quoique, on va changer les poteaux, on va mettre des poteaux de rugby, ça va aller bien. Hein. Il y a vraiment faute là, hein, pied en avant, hein, qui empêche le joueur de jouer le ballon. C'est vraiment bizarre de voir un terrain comme ça. On dirait que c'est avec des bouteilles qu'ils arrosent le terrain parce que. Même pas avec des bouteilles. Quand tu vois les petites flaques, tu te poses la question pourquoi il y a des petites flaques vertes. Il va se mettre à courir ou pas maintenant. Maintenant, il va se mettre à courir pour aller chercher le ballon, mais il est trop tard. Du ballon pour aller taper le coup franc au lieu de s'écarter pour pouvoir donner une solution à celui qui au tireur du coup franc. Un changement pour le CSM, le numéro 33 qui va faire sa rentrée. Pendex. Ah oui, c'est celui que j'ai vu qui marquait pas mal de buts en R3 et qu'on a fait monter en R1 là. Et qui a même marqué effectivement en R1 aussi. Oui. Deux matchs de suite contre le Racing notamment. Donc il va remplacer le 10, je crois que c'est. Benji Gomez. Benji Gomez. Oui. Il sort un milieu de terrain pour faire entrer un attaquant, donc j'espère que ça va peser encore un peu plus sur la défense du Sirocco. Thank you.
attention, coup franc pour le Sirocco. Nous avons vu que tous les coups francs du Sirocco ont été dangereux pour le CSM, donc en espérant qu'ils ne vont pas marquer ce but. J'ai vu dans les tribunes stylo, il sait même pas où se trouve son stylo. Il a la gâchette facile, l'arbitre. Hein. Mais bon, le joueur n'a pas râlé, n'a pas postulé l'arbitre. Il a sifflé. Donc, il faut se replacer, ne pas mettre son équipe en danger. Et là, il met son équipe en danger parce qu'il ne pourra plus avoir la hargne et la façon de défendre mieux qu'il faisait, parce qu'avec un carton jaune, il a, comme on dit, l'épée de Damoclès sur la tête. Changement pour le Sirocco, le numéro 4 qui va entrer, et le numéro 14 qui va entrer à la place du numéro 7. À la place du numéro 7, Aura Ludovic. Allez Coco, let's go to see you. L'autre côté. Ah oui, c'était la solution. C'est bien vu. L'extérieur du pied droit pour Vindex, ça a été bien vu. Ouh là là. Oui, c'est l'autre joueur qui fait opposition sur le joueur du CSM qui l'empêche de bouger. Et que il joue l'ascenseur. Voilà. Décidément, on l'aura tous ce soir. Voilà, une petite coupure, excusez-nous, on est de retour. Thank you.
changement pour le CSM. À venir, oui. Ouais. Le numéro 25 va entrer, le numéro 25 du CSM. J'avais marqué 4 sur son panne. Oula. Oh là. Mets-le maintenant à l'aveugle. Mets le ballon à l'aveugle. Bien balayé. C'est moi qui viens d'entrer. Tu fais des joueurs. Thank you.
Là, les supporters se sont éteints comme les joueurs, voilà. Ouais, c'est ça. C'est une fin en roue libre. 4 minutes, voilà. 4 minutes. 4 minutes. L'autre côté. Donne ton ballon, donne ton ballon. Ah, il a raison. Il a raison, il n'a pas trop de solutions sur le côté, il est un peu... Oui, mais en retrait, il a deux joueurs en retrait, il doit prendre appui sur les deux joueurs là et voilà. En tout cas, il bénéficie de la faute. Je crois que c'est Lucas Thierry qui marque. La tribune commence à se vider, hein, il reste 2 minutes de jeu. Hein. Je crois que de ce match, on peut garder que le score, hein, Richard. Ah, c'est ça. Parce que le jeu n'a pas été à la hauteur des espérances des spectateurs et des entraîneurs, j'espère aussi.
vraiment les derniers instants de cette rencontre. Comme le disait Joël Noyon il y a quelques instants. Et voilà, c'est fini. Victoire du CSM 4-2. Le CEO n'a pas de mérité. On continue de suivre l'équipe. On continue d'encourager l'équipe. Très beau match de haut niveau. Voilà, vous n'avez pas de mérité. Ok, félicitations aussi à l'école de foot du Soroko, les jeunes. Voilà. On compte sur vous pour la relève. Voilà. On ne baisse pas les bras. Et ce fut la délivrance du coup de sifflet final. Nous gagnons, la seule chose à dire, là. Allez, aujourd'hui, 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 on a joué, on a joué, on a joué, on a joué, on a gagné, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Vous regardez TVCSM, la web TV officielle du club sportif moulien. En direct, le match du CSM sur TVCSM. Match replay. Salut, c'est Richard Albert, vous êtes dans le direct intégral. Tous derrière le CSM. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Sur TVCSM, les grands moulins des Antilles présentent le direct intégral du match du club sportif moulien. Le CSM apporte de l'eau au moulin des GMA. Télé CSM, la web TV officielle du club sportif moulien, le club de football le plus titré de la Guadeloupe. Vive tous les matchs du CSM en direct intégral. C'est là, il fallait compter avec toute la Mastia, tout le du coach Richard Albert qui a su motiver ses gars, qui a su mettre en place le système de jeu et bien mettre en place le bloc équipe. Levez la tête, les hommes. Et vous levez là. Vous regardez Télé CSM, la web TV officielle du club sportif moulien. C'est la première Coupe de Guadeloupe. Ouais, c'est la première. C'est pas la dernière. J'espère pas. Au CSM, en général, c'est toujours le CSM qui gagne à la fin, tu sais ça. Toujours, toujours. De toute façon, en général, je suis plus tourné sur la musique, mais en vérité, avec le corona et tout, je me suis remis à mon foot. Donc, tout autant que je peux, je serai là et je donnerai le maximum. Comment tu manages le foot et... Le foot et la musique, quoi. En fait, ça va ensemble, hein. T'es un artiste, quoi. Exactement, ça a toujours été ma passion, le foot. Hein. Tout jeune, j'ai fait toutes les sélections qu'il y avait, donc ça a toujours été ma passion. Donc maintenant, le fait que la musique, on ne peut plus faire par rapport à tout ce qui se passe, donc je me suis retourné vers mon foot et retourné vers mon club de cœur, le CSM. Salut l'artiste. Regardez TVCSM, la web TV officielle du club sportif moulien. En direct, le match du CSM sur TVCSM. Match replay. Salut, c'est Richard Albert, vous êtes dans le direct intégral. Tous derrière le CSM.
Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Sur TéléCSM, les grands moulins des Antilles présentent le direct intégral du match du club sportif moulien. Le CSM apporte de l'eau au moulin des GMA.